Fils de Dieu rassemblés.
Donner des vivres à ses fidèles.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. De l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. Le Seigneur nous porte dans ses bras, il nous tient sur son cœur, il se souvient de son amour. Alléluia. Thank you.
Jésus crucifié, de ton côté ouvert ont coulé l'eau et le sang. Entends la prière de l'Église, ton épouse. Jésus, temple saint de Dieu, demeure du Très-Haut, porte du ciel, construis ton Église. Jésus, ami des hommes, frère des pauvres, maître de tous les cœurs, souviens-toi de ton alliance. Jésus, notre paix, notre réconciliation, soulagement de ceux qui peinent, repos de nos âmes, attire vers toi les pécheurs. Jésus, chemin des brebis, agneau vainqueur du péché, notre vie et notre résurrection, donne-nous accès auprès du Père. Jésus, obéissant jusqu'à la mort, transpercé par la lance, enveloppé dans le suaire, réveille ceux qui dorment dans la mort. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, vous garde en sa fidélité pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.